bien, j'avais commencé à écrire un journal sur l'île de Porquerolles, l'île où j'ai été élevée, où j'ai grandi. Et quand j'ai envoyé les premières pages à mon éditrice, Anna Pavlovitch, elle m'a dit « c'est étrange, il y a deux voix, deux styles de langage, et donc vraisemblablement, tu es en train d'écrire sur autre chose ». Et j'ai découvert par incidence que j'écrivais en réalité sur la dualité, et que l'écriture avait agi comme une hypnose, c'est-à-dire qu'elle avait révélé l'inconscient et la dualité qui était en train de me dévorer, c'est-à-dire que je m'appelle Lucille Buffet, je suis née sous le nom de Lucille Buffet, et lorsque j'ai commencé à écrire, parce que j'ai été journaliste politique pendant plusieurs années, j'ai inventé un pseudonyme qui est Gaëlle Tchakaloff, et peu à peu, sans que j'en aperçoive, ce pseudonyme est devenu une personnalité à part entière et a pris le pas sur ce que j'étais, sans doute au départ pour me protéger, parce que je venais d'une île, Porquerolles, et j'arrivais dans les arènes du pouvoir, je côtoyais les gens de l'Élysée, etc. Et puis peu à peu, en fait, c'était plus une protection, c'était l'inverse, c'est-à-dire que le double s'est mis à faire n'importe quoi, le double s'est mis à courir dans les couloirs de l'Élysée, piquer les cadeaux de Brigitte Macron sur son bureau, et au fond à me mettre en danger, puisque ce double m'a fait avoir un mode de vie qui était assez particulier, puisque j'avais tellement envie de vivre intensément que je dormais 2 ou 3 heures par nuit, et donc j'ai été malade. Et au moment de la maladie, je me suis dit, il faut que je règle le compte du double. Parce que quand j'allais faire des IRM ou des scanners, le double m'obligeait à me coucher à 6 heures du matin, c'est pratique d'avoir un double, et à 7 heures, j'étais à l'hôpital. Et à ce moment-là, j'étais déjà dans l'écriture de ce journal, je me suis dit, c'est l'occasion de comprendre qui est le double, où est-ce qu'il se place, parce qu'au fond, on a tous un être caché derrière notre être, et donc c'était un peu nébuleux, et ce journal m'a permis de circonscrire le double pour l'annihiler, pour l'égorger. J'ai évidemment pensé aux classiques que sont Jekyll et Hyde, si ce n'est que moi, j'ai pas besoin d'avaler une potion magique pour que le double apparaisse. Le double vient tout seul, le double n'a plus besoin d'être déclenché, il a pris l'habitude d'avoir toute la place. J'ai pensé au Horla également, parce que dès lors que j'avais le sentiment d'être possédée, comme dans le Horla, d'être dévorée par mon double et de ne pas parvenir à m'en départir, évidemment j'ai pensé à ça. Mais il y a une autre référence qui n'est pas considérée comme une écriture de la dualité, mais malgré tout, quand on y repense, quand on le relit, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur la dualité, c'est Doris Lessing. Parce que dans Doris Lessing, on voit bien qu'au fond, la dualité des êtres, on l'a tous, les hommes et les femmes. Une mère veut être amante, veut être maîtresse, veut être par moments pute. Et au fond, c'est ce qu'exprime Doris Lessing en expliquant le côté politique, social, famille. C'est toutes ces vies-là qui sont accumulées. Et je pense que c'est aussi ce sur quoi j'ai essayé de travailler en revenant par flashback dans ce journal à l'enfance, à la famille, puisque il y a évidemment mes parents, il y a mes enfants, mais il y a aussi mes cousins, ceux qui se battent en permanence sur le port de l'île et qu'on doit évacuer, on appelle la police parce qu'on n'arrive pas à les séparer. Donc tout ça est l'explication de la construction du double. Le lieu d'enfance, c'est un lieu... C'est un lieu particulier parce que c'est un parc national, c'est une île, donc une île c'est déjà assez enfermant, c'est un parc national, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de vélo, il n'y a que 2 ânes qui m'ont été offerts pour mes 15 ans, et donc on y vit comme des sauvages. D'ailleurs moi mes parents m'ont poussé à être une sauvageonne. Je me souviens qu'ils disaient toujours, quand les gens lui reprochaient à mes parents que je sois mal élevée, ils disaient toujours, on est trop tôt contraint par la société. Et au fond, ça, je pense que c'est le creuset de la dualité, mais on a tous une explication, une justification à être multiple. Je pense que ce qui rend multiple, c'est la société, c'est le monde moderne. Parce que l'homme, il fait pour vivre dans la nature. Moi, c'était Porquerolles, mais ça peut être ailleurs. Et c'est la confrontation aux autres, c'est le regard que posent les autres sur vous qui vous rend encore une autre personne. C'est-à-dire qu'il y a un écart entre ce que l'on est profondément et ce que l'on veut donner à voir aux autres de soi.